Présentez-vous s'il vous plaît. Il a essayé comme il y a l'autre président de la chambre de droite du matin, le président de la chambre de droite du matin. La chambre du commerce régional de la commune de Matos se mobilise une foule immense pour l'arrivée du président. Thank you.
parle en français, regardez. Okay. Okay. Vous pouvez parler en français? Oui. Ok, vous pouvez parler en français. C'est quelle langue? C'est Banyalsin. Banyalsin. Je suis de Banyalsin. Les amis, on est là. Très bien. Il n'était pas nécessaire de fermer les centres. Il fallait laisser des gens pour chacun se rendre à ses occupations, pour chacun essayer de chasser son quotidien. Et du coup, cela ne pouvait pas, en tout cas, empêcher le retour du président. Il est bon de la question, mais ça ne veut pas dire qu'on doit obliger les gens de venir laisser au bord de la route. C'est une question de volonté. Ça doit être une question de volonté. On ne doit pas y obliger les gens obligatoirement de venir accueillir le président. Puisqu'un président, il est président du Guinée. D'accord ? Donc, je crois que ces actions doivent attirer les gens envers nous. Au lieu de faire une manière de forcer les gens de venir accueillir de manière involontaire. Puisque le fait de se fermer ces centres-là n'apporte pas grand-chose. Je crois que c'est déplorable de fermer les centres pour le retour du président. Ça ne va pas.